Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets. Des petits soldats, des camions, des avions à réaction. Et les rois des fous du monde entier s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils comparent leurs jouets. T'as vu mon sous-marin ? Et toi, t'as vu mon camion ? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi, tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord. File-moi ton uranium et je te prêterai mon petit camion de soldat. Et puis, il y a des rois qui n'ont rien à échanger. Pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en trois. Ils vivent au tiers. C'est le tiers-monde. Ils traînent derrière eux, au bout d'une ficelle, un lapin qui joue du tambour. Et en les voyant passer, les rois des fous du monde leur jettent, pour s'amuser, des petits noyaux d'olive nucléaire. Et de temps en temps, il vient un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle le prix Nobel de la paix. On lui met une grosse médaille sur le cœur, qui brille au soleil, pour bien voir où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs jouets, leurs canons, leurs chars, leurs avions. Nous pourrions enfin nous promener en paix dans les jardins de la terre, qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre.